Quelles sont vos priorités? L'emploi. L'emploi? Oui. Vos priorités à respecter? Bien, les personnes âgées, madame. Les priorités, moi, c'est que tu me mets la continuité de ce qui se passe actuellement. Quelles priorités vous tiennent à cœur? Les soins de santé. Oui. Et s'occuper des personnes âgées. Et quelles sont vos priorités? Du changement. Du changement? Oui. OK. Puis dans quel domaine vous voudriez voir du changement? Bien, dans la santé surtout. Oui. La santé puis l'éducation, c'est, ça manque beaucoup depuis un bout, là. Ils nous ont tout jamais. Quelles sont vos priorités? La santé. Oui. Qu'ils mettent plus de budget, puis que tout le monde puisse avoir des rendez-vous, puis avoir des médecins, puis ce qui n'est pas mon cas. Je suis en recherche d'un médecin. Quelles sont vos priorités? Ah, c'est les finances, moi. Les finances? Oui, oui. Okay. Dans notre âge, pas d'autre choix. Oui? Oui. J'aurais plus la santé au départ, l'environnement en deuxième. Oui. C'est pas mal... ces deux choses-là en priorité. Là. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Je dirais l'économie. Ben moi, là, c'est pour les personnes âgées qui nous trouvent des logements primordiques. Les logements sont hauts, mais ils ne ils payent pas, ils nous donnent pas assez pour le loyer qu'on a aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, ceux qui sont députés, là, ce sera le fun qu'ils nous donnent des loyers moins chers. Et quelles sont vos priorités à vous? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Ben, commencer par respecter le peuple. Commencer par ne pas être jaloux de quelqu'un qui travaille au salaire minimum, qui ne veulent pas les laisser vivre. Quelles sont vos priorités? C'est la santé. La santé. Priorité, la santé. Oui? Oui. Quelles sont vos priorités à respecter? Le changement. Le changement? Oui. Tout ça. C'est rien que ça. Oui. Merci. Pas de changement. Pour vous, pas de changement? Donc, quelles sont vos priorités à respecter? C'est la famille. Quelles sont vos priorités, vous, à respecter? Bien, qu'ils respectent, de quoi c'est ce qu'ils disent. Hein? Ils disent, mais ils promettent une main des mondes. Puis au bout de ligne, tu aperçois au bout de 4 ans, ils ont rien fait. Ça fait là, tu es déçu.